Bonjour à tous YouTube, bienvenue à ce match de demi-finale. On s'est rendu là cette saison, bien hâte de voir ce qui va arriver. Pour vrai, Night Soul est une grosse team. Le type Ground qui était mon type préféré, ça puis Poison, pour le Clash of Type que j'ai bien aimé. J'ai jamais joué Poison. Mais j'ai joué Ground à ma première saison. Il y a de ça plusieurs saisons là. Je suis rentré à la saison 2. Donc on est rendu à la saison 7. Ça fait 5 saisons quand même. On pourrait. Je suis prêt mais pas prêt. J'ai pas de double item. Donc juste ça, c'est parfait. Vous le direz si je sais pas si ma voix est enterrée par la musique du jeu ou pas. Hey, bonsoir PL, bienvenue. Match demi-finale, je suis un peu stressé. Ça va être un match pas facile. Donc Garchomp, on s'y attendait. Nidoking aussi, Muzdell aussi. Donc, pas de Runerigus, fait qu'il n'y aura pas de Toxic Spike. Ça nous permet de commencer le match avec notre Porygon. My master's in the place. Moi, c'est partner. Donc, excellent match à toi, Night Soul. Ça va être assez insane. Donc, Muzdell qui va être là en premier contre Porygon. Donc, on a quand même bien anticipé. Je suis content. Donc, notre attaque spéciale qui va augmenter. On va aller d'un conversion, fait qu'on va se transformer en type grass. Ça va nous faire moins de dommages que rester type normal, s'il fait un Iron Defense par exemple. Ou s'il va tout simplement un Body Press. Ça nous fait absolument aucun dommage. On va juste y aller dans Ice Beam. Je m'attends à ce que il nous amène. Oh. Ça. Je m'attends qu'il nous amène un Nidoking après. Parce qu'on va être weak à ce moment-là au poison. Donc c'est ce qu'on pensait, Nidoking qui s'amène. J'ai pas grand chose pour counter Nidoking par contre. Je pense que je vais aller tout simplement avec Snorlax. À moins qu'il fasse Super Power, là ça va faire mal. Non, Sludge Wave, ça devrait faire mal avec Sure Force. Mais on devrait être quand même bien là.
Je pense qu'on va y aller comme ça. Hey, salut Chaps. Demi-finale. Hey, Jade est là aussi. Caroline devine. Je me sens choyé, guys. On joue contre Night Soul. On a un Snorlax Special. Donc, ça nous permet d'avoir accès à Blizzard. Surf. Parfait, il y a Protect, ça me dérange pas. On va quand même chercher du bon dommage malgré le Protect. Bon, pas assez. Hey, Ying Yang aussi, Colin. Il y a du monde. On va nous baisser en dessous. On va pogner la guave. L'autre demi, c'est Ouellette contre Earl. Dragon contre Water. Oh, c'est que ça fait mal. Oh! Fait qu'il va sûrement amener son max. I guess. Dit le gars qui a fait copy-paste. Bon, en fait, ça sert à rien de faire quoi que ce soit ici. Il va sûrement faire Max Guard. Qu'est-ce que je pourrais amener? Exemple qui fait pas Max Guard. Mettons qu'il fait pas Max Guard, puis. Oh! Il veut que j'active sa Weakness Policy? Ok. Ouais, je sais qu'il y a sa weakness policy. Mais il voulait peut-être. En tout cas. Fait qu'il mène à la tempête. Ça me dérange pas tant. Je vais manger du dégât puis juste pas lui. Sandaconda, non. Sandaconda, pour vrai, il est tellement solide là. Moi, je l'adore. Sauf que là, au lieu de faire Solar Beam, puis que ça me fait chier, je peux faire Terran Pulse. Non, il tape en sacrament Sandaconda. À plus 2, d'après moi, il va venir me chercher. Là. Mais ouais. S'il va pas me chercher, c'est tant mieux. Prendre la vie avec le terrain. Là, faut juste que je sois assez intelligent pour gérer mes affaires. C'est le seul que j'ai de la dev dessus. T'as des annonces? Ah, ça fait chier ça. Aucune idée. Ouf. Tape un petit peu. Ah, puis on va mourir. Non. On ne mourt pas. Ouais, c'est parce que mon Jelly Bear,
Il y a de la job à faire. Garchomp. En fait, il était là pour. Il était là pour qu'il y a la base. Et Skedrill, je pense. On aurait dû juste essayer de taper. Pas notre meilleur move. Aïe aïe aïe. Faut que je check de quoi. Si mon ordi me fait pas chier, on va être correct. Pour l'instant, il me fait chier, fait qu'on est pas correct. Mettons qu'il switch sur. Hey, il y a Excadrill, pis c'est pas mal ça. Je pense sur Garchomp aussi, Garchomp survit. Hein. Bon, Garchomp il survit en masse. Je sais pas si je le one hit plus terrain par exemple. Excadrill. Quand même. Il va sûrement switch à Sandaconda pour activer le Sand. Oh, Garchomp! Ok, avec Rough Skin. Rocky Helmet, Rough Skin? Non, juste Rough Skin. Il va sûrement venir me chercher avec Earthquake par contre. Holy rocks. Layakche. Oh le freeze. Rough skin. Je pense que je l'essaye.
On vous prête. On va profiter un petit peu du freeze, malheureusement. Ok, il est plus gelé. Outrage. Est-ce qu'on survit? Faudrait. Ah non. Ouais, P2. J'étais sûr qu'il pourrait résister. Excadrill. Y a-tu Chase Ten? S'il y a bien un mon que je peux pas perdre d'ici la fin, je pense que c'est Chinchino. Le même associé Choice. Ok, il n'y a pas de choice card. Pas de flinch. Jesus. Il reste Sandaconda puis Modao. Si protect, je suis mort. Si je l'enlève, je suis mort. Il n'y a pas Pradek. Je suis même pas chier avec les flinch. Ok, on va jouer intelligent, on va se garder Big Mama jusqu'à la fin. Trois minutes. Ouais, mais j'ai pas flinch. Sadly. Ah, ben j'étais quand même pas loin. J'étais à 3 HP de Miscalculated. C'est quand même pas si pire, là. On devrait aller chercher tout ce qui reste avec Grass Knot, là. On pognait du dommage du Sand parce qu'on peut pas être Sandvel. Fait que je suis Dry Skin.
Mais là, on devrait aller chercher ça en Anaconda. Soit en 1-hit KO, soit en 2-hit KO. Tout dépendamment de son invest. Puis, avec Kangaskhan, on va pouvoir le finir vu qu'on est plus rapide. Ouais, exactement. Sinon, Kangaskhan finit la job, là. Un fake out, puis après un ice punch, puis voilà. Être sûr de pas pogner de dommages, puis de faire plus de dommages. Ça va être pas mal Kangaskhan qui va finir ça. Protect, fait qu'il évite les ice, le fake out. Puis il va rester 30 secondes, 60. On va y aller safe, 100%. Je voyais pas la vie baisser assez vite. Yes, on se rend en finale. J'ai hâte de voir contre qui on va jouer. Pour vrai, ça a été des bons matchs. Nitro lui a donné un astic de bon show. On y enlèvera rien. Il a fait des bons switch. Il a bien joué. Il était bien préparé. Fait que pour vrai, good game. On se rend finale. Yes! Je pense que c'est la première ligue que je me rends en finale. Ben, en fait, je me suis rendu en finale dans le Clash of Tech, mais c'est la deuxième fois. C'est ça que je voulais dire. Que je me rends en finale dans une ligue. En single. Double, j'ai gagné la QPL. Un jour. Fait que merci à YouTube. Merci à ceux qui ont été là. Merci d'être venu m'encourager. Ça me fait plaisir. Ceux sur YouTube, on se dit à la prochaine.